already knows what caused this? I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. Get the hell out. Before it's too late. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, ça c'est bon. Bon, on est bon, on est bon. On est bon. Plus qu'à se barrer de cet endroit de merde et on sera tranquille. Franchement, je trouve que les bouches d'égout, c'est sûrement la chose la moins safe au monde possible. Il suffit qu'il y ait un putain de zombie juste au-dessus. Et je veux dire, t'as aucun moyen de te défendre. C'est tellement la merde. Come on. Over there. Mais boucle-la. It's closed. Ouais, et parle moins fort, ça résonne. C'est comme sur l'île de Jurassic Park, il faut pas crier, ça attire les dinosaures. J'ai pas la carte. We need a key card. Here, come out. Ça, c'est tellement vrai, tout le monde aurait essayé ça. Mais on sait tous que c'est une idée à la con. This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl, leave your house. C'est qui? C'est ton oncle un peu tactile? Un peu trop tactile? On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Sherry, tie your hands. Why are you doing Shut up. Tire. T'apprendras ce mot bien plus tard, ma petite. Ça s'appelle le BDSM. What's this all about? Child endangerment, for starters. C'est pas moi qui ai le flingue, hein. Non mais j'hallucine. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You hurt her, I swear to God, my brother is stars and I Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Non mais Claire, m'arrache pas, putain, t'as les mains attachées. Stop hurting her, please. Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Ouais, stay safe un bon moment parce que je vais pas venir tout de suite. Okay. Key card first. Then that asshole gets what's coming to him. Ouais. Ouais, mais tranquille. Hein. J'aime bien comment elle a essayé de le menacer. Mon frère fait partie des Stars et tout, mais genre, mais t'es pas en position de menacer les gens. C'est littéralement dans les trucs des films, t'as toujours le personnage con qui commence à essayer de menacer alors qu'il est pas en position de force. J'ai jamais compris ça. Alors, mensuel de Raccoon City, juin. À l'attention des héros de Raccoon City, qui est l'homme le plus craint et le plus respecté de la ville? La réponse est évidente pour tout habitant de notre belle ville. C'est ça, le chef de la police, Brian Irons. La terreur des criminels est le père strict mais magnanime qui aime tous ses citoyens en dépit de leur péché.
Est-ce qu'on utilise vraiment magnanime ici? Le chef Hero Irons est célèbre pour son implication dans des œuvres caritatives, notamment ses dons conséquents à l'orphelinat, à la protection des femmes battues, à la préservation de l'art, à la protection animale, entre autres. Mais fesses, ouais! Quand donc dort notre héros? Il a répondu à cette question en ces termes. La ville est ma famille et il est normal que j'en prenne soin. Avec une photo pour bien que tu comprennes que c'est ce gros fils de pute. That bastard is the police chief. La carte. Mais on s'en fout. Ascenseur express vers le bureau du chef, réservé au personnel autorisé. Ouais, d'accord, il y a un levier pour activer l'ascenseur. Et il faut une clé. Évidemment. Ah, j'avais prévenu que Chéri allait attendre. J'avais prévenu. J'aime bien comment les portes sont des... Ah non, attends. Ah d'accord, quand j'ai mis la carte, ça a rallumé le courant. Ok. Enfin, quand il l'a mis, la carte. Ok. Ça a l'ambiance dans les sous-sols. Non, ça s'est fermé. Mais ça pas ça reste bien bouché ça. Je veux dire en plus que t'aies la place pour passer ici. Enfin non, je pense pas qu'un zombie puisse passer. Mais je veux dire s'il pousse à 3. Ah non, c'est bien bloqué. Je veux dire parce que il faut le pencher un peu le meuble, tu sais, pour que ça fasse pour que le poids soit bien réparti, pour pas que ce soit facile à pousser. Parce que s'il est droit, même s'il est un peu bloqué dans la porte, un bon coup dedans et c'est fini quoi. Ok, le stand de tir. Destruction d'équipement. Objet à détruire. Clé de véhicule de patrouille 7439. Détail. Clé pliée, inutilisable, mais pouvant encore ouvrir les portières et le coffre de la voiture grâce au bouton. Ok. Zorakunden. Voilà. Ok. Une clé de contact de voiture, elle est tordue. Alors, message de Monsieur Raccoon. Je prendrai pas la voix de Mickey. Salut tout le monde, c'est votre copain du zoo de Raccoon City. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous connaissez les jouets de Monsieur Raccoon? Eh bien, j'ai entendu dire que certains garnements les utilisaient pour s'entraîner au tir. Et ça me rend très triste. Les gentils enfants ne feraient jamais une chose pareille, n'est-ce pas? Et puis, c'est très dangereux, alors ne faites pas ça. À bientôt, Ozo. En plus, je l'ai mal fait. Monsieur Raccoon, je les ai déjà tous détruits. Faut pas chercher. Ok. J'ai pas de couteau. J'ai pas pris de couteau. Oh bah on va pas les déranger. On va pas les déranger. De toute façon, qui aime se faire réveiller alors qu'il est en train de faire une sieste? Sincèrement. Sincèrement. Et en plus, non, attends, on est en plein milieu de la nuit. C'est plus une sieste. Les mecs sont carrément en train de dormir. Et j'imagine que, à la base, tu sais, ils étaient sans emploi. Ils n'avaient pas une seule thune. C'était des SDF, ils ont décidé de mettre de l'ordre dans leur vie. Ils sont allés en école de police, mais ils n'ont pas encore assez d'argent pour s'acheter un appartement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment au centre de tir. C'est tout à fait compréhensible. Hein. Tu vois, c'est même des modèles et des exemples pour la société. Ils essaient de s'en sortir. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Attends, on va... La clé d'abord. Alors, voiture de patrouille 7439.
Ouais, de base en plus, j'aurais été dans le parking, ça aurait sonné cette voiture. Cette voiture se serait allumée quand même. Ok. JMB HP3. Ouh là là. Oh là 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 là, j'ai un laser. Et j'ai de quoi viser. Oh, ça va être beau. Ça, j'en ai plus besoin. Tac, raccourci. Voilà. Je vais retourner au coffre. Pour deux choses. Je vais déposer mon revolver. Et je vais prendre un couteau. Parce que j'ai besoin d'une arme défensive. Parce que oui, je l'avais utilisé entièrement contre William. Enfin, merde. La saloperie que j'ai croisée. Hop, voilà. Voilà. Là, on est bien. Non, on va pas prendre un soin pour être safe. J'ai presque envie de prendre vraiment un spray de soin au cas où, mais ça va. On va pas crever. Se balader sans armes dans les mains, c'est un peu du foutage de gueule. C'est genre le non-respect de ces saloperies, c'est... Y a pas mieux, quoi. Une herbe bleue. Bon appétit, bien sûr. C'est quoi, t'as des origines chinoises? Non, parce que pour manger du chien, c'est pas partout sur Terre qu'on mange du chien, en fait. D'ailleurs, tu l'as mal cuit. Attends, laisse-moi t'aider. T'es mort? Wow, wow, wow. Wow, wow. Ah! C'est bon, là, t'es vraiment mort? Oh merde. Ok. Ouh, le repas de famille s'est mal passé. J'ai plus de grenades d'incendie. Bon, au moins ça a servi contre sa saloperie, quoi. C'est tout ce qui compte. De toute façon, si c'est pas pour les utiliser, à quoi ça sert? À quoi ça sert, franchement? C'est comme toutes les potions que t'accumules dans Final Fantasy. Tu te dis que t'en auras une utilité un jour. Alors, et comme même quand t'en as besoin, tu les utilises pas parce que on sait jamais, t'en auras peut-être besoin un peu plus besoin plus tard, tu vois. Voilà, c'est pareil. Okay. Bonjour, monsieur. Non. Asshole. Claire, langage. Fils de pute! Arrête de courir! J'ai vidé. 13 balles dans son cul, hein. Je parie qu'il est pas mort. Si, ça va. Putain, regarde ce que je lui ai fait! Mais mec, c'est Wolverine le truc, il a un crâne en adamantium, c'est pas possible! Rapport d'autopsie, ouais, avec des chiffres. Nom du défunt, Justin Hanson. Heureusement que c'est pas Justin Wong.
Homme blanc, 39 ans. Observation. Retrouvé mort dans sa cellule par les gardiens, les poings sont encore serrés par la rigidité cadavérique qui disparaîtra vite. Il est sans doute mort peu après l'extinction des feux. Le défunt était un kleptomane notoire, incarcéré à de nombreuses reprises. Il a même continué à voler en prison, ce qui, bien qu'étonnant, confirme son diagnostic clinique. Ok. Y'a rien. Plante rouge. Il me reste plus qu'à trouver une plante verte. Et là, je serai Gucci. Voilà. Aïe, ah, putain, j'ai oublié. J'arrive pas à croire que j'ai oublié qu'il y avait des putains de cafards ici. Heureusement que c'est pas comme dans l'original où ils t'attaquent, ces saloperies. Oh, l'horreur. La bonne vieille horreur. Bonjour. Vivant ? Mort. Je prends juste ça. Merci. On sait jamais. Prudence avant tout. Non. Ouais, non, non, ça va. Ça va, ça va, les... Ça a l'air d'avoir une ambiance de folie dans cette boîte. Littéralement dans cette boîte. Mais ça va. Je suis un peu trop vieux pour sortir faire du clubbing, moi, à mon âge. Je suis un peu trop vieux. Enfin, j'ai toujours été un peu trop vieux, selon moi, quoi. Ok. D'accord, Ah, rigidité cadavérique. Le mec avait piqué la clé. Wow, 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 wow. Non, 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 c'est bon. J'ai la clé, moi je me barre. J'ai la clé. Moi je me barre. Fuck, j'ai plus de grenades. Ce fils... J'ai cru qu'il était encore vivant. Ah, par contre, lui, il a commencé à faire sa session de yoga après que je sois parti, mais... Bah, continue, mec, hein. J'ai jamais vu une souplesse... comme la tienne, hein. Ok. Heureusement que ça va. Alors, le plan. Je balance une flash. Ça va l'assourdir, parce que, oui. Et je cours à la porte là-bas. Après. Allez, on touche le mur. Fuck, 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 fuck. Fuck, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. On prend tout et on se dépêche. Là, là, il y a un truc. Je le sais, il n'y a que ça. Fuck. Le mec est là. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Putain. Saloperie. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Quel est le bousin que j'ai pris? Casier du deuxième étage. Une pellicule non développée, ok. Sûrement pour le cadenas, on s'en rappelle, là où il y avait le mur pété, où on a trouvé la première clé, la clé de pique. Putain, je pensais qu'ils allaient défoncer la porte bien plus vite. Encore une plante bleue. Voilà. Voilà. Même si ça me sert un peu à rien parce que j'ai pas de HUD donc je peux pas voir ce que je vise. Mais c'est pour l'esthétique. Merde. Ah. Munition de mitraillette, pourquoi pas.
T'imagines, ils se seraient plantés? Ils auraient pas mis septembre? Parce que ça se passe en fin septembre. Donc... Putain, ça s'est pas arrêté de pleuvoir. Hein. Fuck. Bah non, attends, c'est bon. Ok. Protection de des espèces, hein. Protection du domaine animal. Mes fesses. Mon cul, c'est du poulet. Surtout que le gars, on dirait qu'il est vraiment parti chasser chaque type d'animal bien particulier. Ça je garde, ça je pose, je m'en fous. On pose ça là. Ça de toute façon j'ai dans la salle pour développer des photos, j'ai déjà un coffre, donc je m'en bats les fesses. Mais d'une puissance incalculable. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Rien. D'ailleurs attends, j'ai envie de savoir un truc. Je viens de me poser la question pour la première fois de ma vie, mais... Attends. Parce que dans l'original, il y avait une ambiance de taré. Quand t'étais dehors, t'entendais littéralement... Même la musique, ça s'appelle la ville ou je sais plus quoi. C'est les bruits de la ville. Mais les bruits de la ville, c'est t'entends les morts, en fait. T'entends les zombies à des kilomètres à la ronde, en fait. Tu vois, on entend quand même un petit truc. Je sais pas si c'est le vent ou... Ça, c'est dommage. J'aurais aimé que ce soit un peu plus prononcé, ça. C'est un peu dommage. Parce que vraiment, l'original, t'as un bruit, mais constant. Tu sais que les morts sont proches, en fait. C'était tellement beau. Alors, attends, je vais faire ça. Voilà. J'ai besoin d'une... Tu sais quoi? Je vais les garder, ces grenades. Je vais prendre cette poudre-là, je vais en faire des balles. Voilà. Et je vais attendre de trouver des munitions. Enfin, des grenades. Journal de taxidermie. Serre de Virginie, mâle, environ 6 ans. Zone de capture, les montagnes Arclay. Là où se passe le premier Resident Evil. Longueur, en fait, c'est les montagnes qui surplombent Raccoon City. Longueur, et ils avaient un centre de recherche là, ce qui a donné Resident Evil 1. Ils ont détruit le manoir, les gens n'ont pas cru les Stars, c'est-à-dire Jill Valentine, Chris Redfield, Barry, Rebecca, tout ça. Et ce qui a conduit aux événements du 2. Longueur, 185 cm, poids 160 kg, putain, une grosse serre. Content du résultat, mais je suis lassé de travailler sur des sujets si communs. J'aimerais passer à des animaux plus rares. Tigre de Sibérie. 4 ans environ, mâle. Zone de capture, Kraï de Khabarovsk. Longueur, 289 cm. Putain de merde. Poids, 239 kg. J'ai failli jouir quand j'ai ouvert son ventre et que ses entrailles en sont sorties. Je sens encore le fauve. Ça, c'est la vie. Le mec a un problème. Truie. Femelle, 22 ans. Zone de capture, Raccoon City. Longueur, 160 cm, pour une truie. C'est pas un peu grand, ça. Poids, 50 kg. C'est pas un peu léger, ça. Le corps de ce spécimen est doux, tendre et entièrement blanc. Il est à moi pour toujours. Ouais. 1m60 pour 50 kg, 22 ans, femelle, truie. Ouais, on va juste dire qu'il a pris des raccourcis quand il a écrit truie. Hein.
Clicker. Ah bah le voilà. Putain, 289 cm le truc. Il se met sur deux pattes et il est plus grand que toi. C'est, on a tellement pas l'habitude en vrai de voir des animaux plus grands que nous. C'est tellement rare. Thank God. The key card. J'aimerais bien qu'Einstein revienne de... sorte de sa tombe pour m'expliquer comment le truc il continue à se balancer. Juste, voilà. Ok. Ils sont pas éteints, ces trucs. C'est un dodo, on est d'accord? C'est pas éteint. Genre l'âge de glace et tout. Je sais pas, j'ai aucune culture pour ça. Lettre du réparateur. D'après ce que vous nous dites concernant le système de verrouillage électronique de la porte à barreaux dans le bureau du chef de la police, il semble que quelque chose doit être remplacé. Il vous faut des pièces de panneaux électriques pour résoudre ce problème. Justement, un réparateur d'une de nos boutiques est au commissariat pour réparer la cloche de l'horloge. Il a emporté quelques pièces et il a dit en avoir laissé une dans la salle de stockage est du deuxième étage. En cas de problème, ou s'il vous en faut d'autres, n'hésitez pas à aller le voir dans la tour de l'horloge. Cordialement. Ah justement, j'étais pas allé faire un tour à l'horloge à la base. Attends. Fouf, désolé. Mais quand... Franchement, moi, il y a un truc avec la lecture, c'est que ça me donne envie de bâiller. J'ai jamais compris. Bas-relief des amants. Un bas-relief représentant un couple d'amoureux. Hein? Clé-cœur. Une clé en forme de cœur. Et franchement, sur tous les animaux, je pense que ça devait être lui le plus dur et le plus vénère. Tu vois, lui, on dirait qu'il fait peur, tu vois, comment il est dans sa posture. Mais sûrement, il s'est fait taser par derrière, tu vois. un petit taser dans les fesses, bien droit dans l'anus. Mais lui, il a regardé Iron droit dans les yeux avant de crever, tu vois. Regarde ça. Oh, un truc à faire peur. Même le tigre, on dirait qu'on lui a coupé les couilles, tu vois, c'est incroyable. Alors, bah non, j'ai rien à jeter, j'ai rien à faire, ok. Franchement, il me reste une porte avec la clé carreau a priori. Bon, attends. Est-ce que je la garde ou je vais la mettre dans le coffre? Bon, on va la garder. Attends. Non, on va la poser. Ça prend une place de trop. J'en ai pas besoin et de toute façon je pourrais faire un détour par le coffre de la salle noire pour développer les photos. Y a pas de souci. Puisqu'il reste la buanderie juste à côté du bureau des stars, en fait dans le même couloir. On va monter d'abord. On se casse du commissariat pour y retourner. Une flash. On va pas dehors. Tu sais, ça me fait... À chaque fois que je vois cet endroit-là, ça me fait penser à Resident Evil 1. Dans le sens où t'es enfermé dans un lieu claustrophobique, le commissariat, le manoir, mais il y a des zones en extérieur. Et les zones en extérieur, crois-moi ou pas du tout, en fait, de toute façon, c'est pas que j'en ai quelque chose à foutre, mais t'as ce sentiment de...
t'es en mode, t'es claustrophobe, mais quand tu veux sortir, t'es en mode, ah non. Parce que le jeu, les deux jeux, Resident Evil 2 et Resident Evil 1, ils ont réussi à faire un truc ultra incroyable, c'est que tu veux pas ressortir dans le sens, Resident Evil 1, t'avais des putains de chiens zombies qui te couraient partout, et en plus tu pouvais retenter d'ouvrir la porte, mais il y avait des chiens qui rentraient, et vu que c'est la première fois que t'affrontes des chiens zombies, t'es en mode, oula, je veux pas ressortir. Et sachant qu'en plus, quand tu ressors en zone extérieure, tu les entends, et là tu flippes, et Resident Evil 2, tu te dis, il y a trop de zombies dehors en fait. Alors il y en a à l'intérieur, mais c'est pire à l'extérieur. Et c'est un peu ce sentiment, c'est, t'es claustrophobique à l'intérieur, mais tu veux sortir d'ici, mais tu veux pas non plus sortir dehors en fait. C'est un peu... Franchement, c'est perturbant comme sentiment. J'ai entendu Michel. Il a de l'asthme. Je le reconnais. Ok. Ok, ok. Attends, on va voir ce qu'il y a là-bas. D'accord. Fermé. Deux places. Ouais, ouais. Des grenades. Et la clé cœur. Oui, attends. Oh non. Attends. Il y a Gérard aussi? Gérard? Fuck. Attends, je veux ta jambe gauche. Bah voilà. Ouais, non, calme-toi. J'ai encore une place. Tu vois, j'aurais eu la clé, l'autre clé là, ça aurait été l'horreur. Oh fuck, c'est bien ce que je pensais, il a pris la balle pour l'autre. Wow, calme-toi, c'est pour ton bien. Enfin, surtout pour le mien, mais pour le tien aussi. Attends, c'est pas là-bas qu'il faut partir, hein. C'est ici que t'as oublié ta jambe. Enfin, que t'as perdu ta jambe. Je peux pas faire le tour. J'aimerais bien le cutter en fait. Son of a bitch. Claire. Allez. T'es mort. Non, parce que les zombies qu'ils attendent à quatre pattes devant la porte. Attends, y'a rien d'autre, j'ai plus qu'une place. Hein. Alors, agis subconducteur. Composant électronique, un petit composant électronique, ouais. Pièce de panneau électrique, un composant sur mesure pour un panneau électrique, ok. On a trouvé la salle de stockage au deuxième étage. J'ai pas de place pour le couteau. Je vais revenir. De toute façon, j'ai vidé la place. De toute façon, j'ai le rouage à prendre et j'ai le couteau. Faut pas oublier le rouage. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de munitions sur le canapé.
ça, on fout ça là, puisqu'on en a pas besoin pour l'instant. Ça. Sincèrement, on la met aussi là. J'en ai pas besoin. Ouais. Attends, j'ai besoin de prendre le couteau. Ouais. Tu sais quoi? Attends. Regarde. Voilà. On va aller d'abord en dessous. Bien. Voilà. T'as piqué. Non, tu rentres pas, t'as été viré. T'as piqué dans la réserve. En plus, c'est pas la première fois, mec. T'auras pas de seconde chance. Enfin, troisième chance plutôt. Putain, il s'est fait déjà prendre la main dans le sac. Il a promis qu'il arrêterait. Blanche, je prends. C'est bien ça pour faire des super munitions. Nicta. Bon, je reviendrai plus tard. J'ai vraiment pas envie de... Ah! Tu n'auras jamais ta troisième chance. Parce qu'avant de trahir le service de police, tu m'as trahi moi, ton meilleur ami. Hein? Voilà. Je l'ai dit. Tu vas faire quoi? Attends. On oublie un peu ce dégénéré et on repense un peu à nous. Ok. Voilà. Je préfère faire des munitions de mitraillette. Et c'est bon, je pense. Là, je suis bon. Je redescends pas, c'est bon. J'ai cherché le couteau à l'étage. Le rouage. Et on est bon. En vrai, ça me forcerait à faire un aller-retour. Plus tard. Parce que je sais que j'ai des choses à prendre ici aussi. Voilà. Ok. Justement, là, on était monté à l'étage, la couloir, et là, tu sais, t'as la pièce d'art juste ici. Tu vois, t'as le couloir, t'as l'ascenseur avec la cage d'escalier qui descend où on a vu Léon. Là, t'as la salle d'art et t'as le volet. T'avais un volet que je pouvais pas tourner. En fait, on a fait le tour. Ok, ça sort par le tuyau supérieur, enfin le tuyau de droite, sauf que bah ça marche pas. Et il faut le tuyau de gauche. Ok. Mais non. Mais j'ai pas envie de les déstacker les trucs. Voilà. T'en fais voir à quel point c'est mauvais. Fuck. Tu vas entendre des cris de zombies au loin.
Tu vois ce qui aurait été incroyable aussi? C'est d'entendre des cris de zombies comme ça. Enfin, des grognements. Mais tu sais, genre dans les maisons, les trucs comme ça. Et t'as l'impression qu'il y a un zombie vraiment que tu vas affronter alors qu'il y a rien. Bon, ça va, calme-toi. Toi, en plus, on t'a fait un suçon au cou, là. Oh, oh, vas-y, fais un tonneau. Oh putain, elle a pas fait le tonneau. Ah! Bonjour monsieur. Hell is up with you. Oula, attends, il y a l'autre derrière, je l'ai pas dans mon champ de vision. T'as la dalle toi. Toi tu t'es. Il s'est arrêté juste sous son, mais t'es, toi t'étais. T'avais la dalle hein. Ok. Tu veux de droite vers la gauche. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Y'a rien là-bas. C'est fermé. Ouais, c'est ça, bonne chance. Va t'occuper ta petite amie là. Elle a la dalle. Non, non, je veux pas examiner. Voilà, j'ai un full soin. Même si ça me sert à rien pour l'instant, je me suis pas fait toucher une seule fois en plus. Je suis un bon. Voilà. C'est bon, c'est éteint. Bon, on va pouvoir passer en dessous. Je dois passer. Oh, 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 oh putain. J'aurais pas dû lui tirer dessus. Comme quoi, quand tu tires sur les gens, ça les énerve. On va continuer. Bah, merci. Putain de merde, ce qu'il a fait à l'hélicoptère. Voilà. Allez, boum. De toute façon, j'ai tellement d'herbes vertes. Voilà. Marvin? J'ai pas le temps. Marvin? Ouais, bien sûr. Oh God, no. Marvin. Oui, j'ai pas le temps. Attends, j'ai tué lui? Ah oui, coup critique, je me rappelle. Il m'a pas touché. Il m'a pas vu, c'est du bluff. Tu bluffes, Martoni. Tu bluffes. Oh putain. Oh merde, on l'entend. Oh l'horreur. Non mais me dis pas qu'il est dans la partie est. Enfin, dans la partie ouest plutôt. Genre le mec il sait où je suis. Fous-toi de ma gueule. On va prendre ça. On va prendre ça. Mais c'est... Il m'a vu passer? DCM. Pour DMC, Devil May Cry, mais t'inverses quelques lettres. Ok. Ah, mais l'horreur, quoi. Qu'est-ce que... Attends. J'ai besoin de quoi? J'ai qu'un ruban encreur, je peux pas sauvegarder. Attends. On réfléchit pas dans le menu, ce serait de la triche.
On va essayer de réfléchir en même temps, sans avoir besoin de faire pause. J'ai besoin de la pièce à la tour de l'horloge. Mais sa mère ? Il est en train de monter les escaliers. Attends. Mais en fait... Mais je retourne dans le bureau du chef, en fait. Là, il va pour aller vers le bureau des stars. Même si j'ai le cadenas... J'ai des choses à faire, en fait... Il est dans la bibliothèque. Est-ce qu'au-dessus, il y a la bibliothèque? Ah, il y a Marvin. Fuck! Il y a le liqueur, je peux pas courir. Quoi qu'il arrive, je peux pas courir. Alors tu vas stresser. Oui, il est derrière moi. Je peux pas courir. Lui, par contre, il court. Lui, il a suivi des cours, tu sais, le sport là où il faut marcher très vite. J'ai oublié comment ça s'appelle, là, le truc d'athlétisme. T'as pas le droit de courir, mais le mec, comment il marche, il marche plus vite que quand toi tu cours en sprint. C'est incroyable, hein. Et le mec, il est vachement adepte de cette technique. Je vais prendre la... Ben attends, je vais aller à l'étage. Tant pis, hein. Mais putain, quoi. Il est au rez-de-chaussée. Je prends le risque, il est au rez-de-chaussée. J'ai plus de place. Et il y a des choses que j'ai oubliées dans le bureau des stars. Bon, au moins j'ai semé l'autre abruti. Bonne chance pour m'en trouver de sitôt. Voilà, attends, je vais même recharger. Voilà. Comme ça, j'ai deux places. Et le dernier boîte. Oh putain, ça c'est bon ça. Ah, il y a une sacoche. Il y a une sacoche. Alors. Ok. 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 Oh, j'ai fait au pif. J'en étais sûr, je me suis dit. Ce serait trop facile que ce soit celui d'en bas à gauche, alors j'ai fait l'inverse. Putain, il était facile celui-là. Attends, j'ai encore une place. Je peux déjà prendre ça. Voilà. Je sais pas si... Je crois que j'ai oublié un spray de soin. Dans la sacoche de Rebecca. De toute façon, je dois revenir pour rechercher la mitraille, donc j'ai tout le temps. Il y a le cadenas en haut. Faudra que je monte au deuxième étage. Faut surtout pas que j'oublie le cadenas.
Boucle là. J'essaie de passer incognito dans le commissariat. Tu sais, quand t'essaies d'aller à la fac ou sur ton lieu de travail tranquille pour déposer des pièces, mais que tu veux que personne te voit, parce que sinon ça va te forcer à travailler un peu plus longtemps, à rester au taf un peu plus longtemps. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Ok. Tout ce que je veux, c'était poser ça. Il est où? Il est au-dessus de moi. Il est au-dessus de moi. Il est au-dessus de moi. Mais il sait pas que je suis là. Tu vois, là il regarde. Pardon. Il est au premier étage. Il est en train de me chercher au troisième étage. Il me cherche dans la bibliothèque, ce con. Yeah. Ça veut dire qu'après, je peux retourner dans la partie ouest. La partie est. Tranquille, il n'y aura personne pour venir me casser les biomes. C'est beau, ça. Hop. Non. 203. Oh oui, ça va faire plaisir ça. Et 208. Oh oui. Et 103. Attends, il faut pas l'oublier le 103. Non, c'est 102. Ah bah oui, c'est le 2 que j'avais placé. Voilà. Alors, dans l'ordre, on va prendre la sacoche. Ça fait plaisir. Ça fait encore plus plaisir. Oh non, sans déconner, c'est la sacoche qui fait plus plaisir. Ok, j'ai vidé l'endroit. Et j'aurais dû prendre la clé clair. Putain. T'es pas sérieux. T'es pas sérieux. T'es pas sérieux, t'es... Fuck. Il a mis des claques à des zombies. Oh, je sais où il est. Oh. Il était dans le couloir partie ouest où il y a des zombies. Là où je dois aller avec la claqueur. Rentre pas ici. Ta mère rentre pas ici. Non, ça va, c'est pas cette porte. Putain. Ok. Mais pourquoi ce... Ok, je vais chuchoter. Parce que je pense qu'il m'entend vraiment IRL. Alors ça va être une séance ASMR. Oh, comme quoi, ces bottes aussi sont pas très ASMR. Dès que je m'approche de la porte... Oh, il est là. Il va finir par venir ici. Si je cours, il va m'entendre. Oh non, je déteste cette situation de merde. Je déteste... Pourquoi ce liqueur a décidé... Parce que si je tire, il va m'entendre en fait. Et plus encore, c'est pas que je veux pas tirer, c'est que je veux pas gaspiller mes grenades incendiaires pour ça. Qu'est-ce qu'il fait? Le corps de claquette, c'est dans l'autre bâtiment. Ici, c'est le commissariat.
merde, il est dans le couloir. Il est juste là. Par pitié, par pitié, par pitié. La beauté de la caméra 3D. Enfin, troisième personne. C'est pas ma porte. Il est rentré dans le bureau ouest. Il est rentré dans le bureau ouest. Mais s'il ressort instant, je suis dans la merde. Ok, il est dans le hall. J'ai réussi à sortir. Oh putain, ce coup de poker, je me suis dit, s'il part à droite, j'ai tout gagné, s'il part à gauche, je tire. Il est revenu dans le bureau ouest, con, en plus. Je te jure. Quel team de... Je vais surmettre mon langage. Tu sais quoi, je vais sauvegarder. Ok, j'ai plus droit à l'erreur maintenant.